Graou à tous, c'est Saldel. Aujourd'hui, on va jouer à Frog Climbers, qui est un jeu canapé où, dans lequel on va avoir des grenouilles qui vont devoir escalader une montagne. Le principe est un peu bébête, mais c'est très très drôle, surtout si on joue avec des amis, mais déjà tout seul, il y a de quoi s'amuser un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer une partie en solo. Donc, comme je l'ai dit, je suis tout seul, mais on peut jouer jusqu'à 4 en local uniquement. Allez, on va prendre une grenouille à la couleur des renards, c'est-à-dire plutôt dans les tons orangés, et on va démarrer. Dans le jeu, donc, on va devoir escalader des montagnes. Ces montagnes sont générées procéduralement. Donc vous voyez qu'on peut en avoir un certain nombre avec des formes différentes. On en a des faciles, des plutôt difficiles avec des éléments qui remuent beaucoup et qui vont être plus difficiles à attraper. Et puis on va également avoir des niveaux très difficiles. Nous, on va commencer évidemment par un niveau plutôt simple pour démarrer. Et on va pouvoir également, si on le souhaite, dans les niveaux s'ajouter des petites modifications. C'est ce qu'on voit un peu ici là. La dernière est verrouillée parce qu'il faut être absolument deux pour l'avoir, mais on reviendra éventuellement dessus plus tard. Mais bon, voilà, c'est gravité un peu simplifiée ou des difficultés supplémentaires pour avancer dans les niveaux. Donc, ça se joue avec les deux joysticks. Un joystick par bras qu'on va pouvoir bouger, donc c'est un peu du twin stick pour l'instant. Et avec les gâchettes gauche et droite, eh bien on va pouvoir dire à la main de saisir ce qu'elle peut attraper, par exemple ici. Et ensuite, quand j'ai attrapé, je vais utiliser le joystick vers le bas pour essayer de porter mon personnage. Alors pour l'instant, il a une corde parce que c'est la zone tuto où on ne peut pas tomber, on ne peut pas mourir. Et du coup, eh bien l'objectif, ça va être d'escalader comme ceci. Hop, jusqu'ici, et là ça démarre, on va devoir essayer d'atteindre autant que possible le haut de la montagne sans tomber. Alors on va essayer, hop, comme ceci. Donc ça se joue plutôt bien, hein. Évidemment il faut quelques parties un tout petit peu pour s'adapter, mais globalement ça va. La corde c'est un peu difficile parce que ça bouge, mais ça va. Hop. Et tout ça, eh bien, ça se jouera à 4, c'est-à-dire que, enfin jusqu'à 4, on peut être en compétition avec 3 autres grenouilles. Et il va falloir tenter de grimper le plus vite possible, sachant qu'on peut même s'attraper les uns les autres pour s'ennuyer. On peut s'agripper au sac à dos par exemple, ou au genou ou au coude, je crois. Alors peut-être pas au coude, mais plus au genou, ça je suis à peu près sûr. Et ce qui fait que du coup, bah, on se grimpe les uns les autres pour essayer un petit peu de s'ennuyer, parce que forcément, bah, ça fait un poids qui va nous gêner. Hop. Sachant que plus on arrive dans les hauteurs, plus la musique devient épique, la musique est fantastique. Voilà là. Et donc là, on a réussi la mission, notre grenouille est contente, elle est au sommet, elle a débouché le champagne, et donc eh bien là j'étais tout seul, donc il n'y a pas vraiment de gloire. J'ai réussi à ne pas tomber. Quand on tombe, on revient immédiatement au jeu. En fait, c'est comme si on avait un petit bumper qui nous fait remonter, mais par contre, bah, ça compte comme une mort, donc il vaut mieux essayer de ne pas en avoir trop. Donc là, c'était le niveau de difficulté facile. On va prendre un niveau un peu plus compliqué. Oh là 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 là, ça donne pas envie. Et on va bien démarrer à nouveau ce niveau. Et donc, un des trucs qu'on peut faire, c'est parfois s'éjecter un petit peu en l'air. Quand on y arrive, alors ici on a la corde qui nous gêne et on peut pas trop le faire, mais si on arrive un petit peu à se donner de l'élan, on a potentiellement la possibilité de s'éjecter comme ça pour gagner des hauteurs un peu plus vite. Et donc si on tombe, donc on est éjecté comme ceci. Sachant qu'après donc on est hop remonté pour nous aider. Alors là je joue un peu vite et pas forcément très bien. C'est juste pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire si on arrive à un peu mieux se débrouiller. Hop. Donc là, il faut monter à gauche. Sachant que, donc, comme vous le voyez, la roue qui tourne ici m'embarque un petit peu. Hop. Et donc, bah, vous imaginez assez facilement le fun qu'il peut y avoir si on a des amis avec qui jouer à ce jeu. Hop. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de multi en ligne, mais bon. Alors ici, il faut faire attention, parce qu'à gauche, là où j'ai ma main, vous voyez que la corde est un peu cassée, et du coup, il y a des chances que si j'attrape, voilà, hop, ça casse. Naturellement, si on était au bout, c'est un peu gênant. Ça va nous rendre la chose difficile. Allez, hop.
On essaye de passer. Ah, et voilà, la corde. Comme vous le voyez, alors là, soit on se lâche si on se sent et on se rattrape à un truc au passage. Soit si on le sentait pas, ce qui est pas forcément. Waouh! J'ai pas fait exprès. Soit si on le sent pas, eh bien on va plutôt tenter de. Waouh! Alors je vais essayer de me balancer. Voilà, comme ça, hop! Vous voyez que c'est quand même un peu plus difficile que l'autre. Même si c'est encore faisable, mais évidemment, si on veut aller très très vite, bah c'est pas forcément évident. Allez. Hop, sachant que quand on se lâche, vous voyez que la grenouille quand même essaye de s'accrocher au mur pour ralentir la descente vers le bas. Oui, vers le bas c'est mieux. La chute, je voulais dire. On voit les petites traces de griffes. Hop. Et du coup, ça permet quand même d'avoir un petit peu de temps pour se rattraper plutôt que tomber en pic. Et donc ici on m'indique que j'ai trouvé la mort une fois, malheureusement pour moi. Et enfin la dernière catégorie de niveau, donc avec ces roues, et ces roues elles ont la particularité de nous faire avancer dessus. On va se déplacer carrément avec. Allez, hop, le début, il n'y a pas de limitation, c'est juste la zone un peu tuto. Ça démarre mal. Voilà, attention. Là, je remue un peu trop. C'est sûr que j'allais me. Tout va bien, c'était complètement ce que je voulais faire. Il faudrait que j'arrête de me balancer en fait. Si je veux pouvoir essayer de me propulser en hauteur. Comme ceci. Ah, j'ai raté. Allez, on va essayer de passer cette zone. Est-ce que si j'essaie de la monter de façon legit, j'y arrive? Pas trop. Hein. Allez, c'est bon. Donc là, on passe au milieu. Va falloir s'agripper. Vous voyez que du coup, on passe le secteur un peu différemment en roulant sur les trucs. Ah non, j'ai les pattes qui sont pas du bon côté. Du coup ça m'éjecte. Ah voilà, là, ça va être mieux si je veux m'attraper, voilà. Là, il va quand même falloir que j'essaye de grimper. Même si ça va pas être évident. Ouf, c'est bon, j'ai réussi. Hop. Oh, la pierre elle descend. Ah non, c'est l'autre qui montait en fait. Ouh, oula, attention. Donc là, fallait bien se jeter. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille ensuite. Non. C'est la mort, le décès. Hop, et du coup, on me remet. Malheureusement, j'ai pas réussi à profiter de ma mort. Ah! Je voulais profiter de ma mort pour tenter de. De m'éjecter. Voilà, et me raccrocher comme ceci. Parce que c'est un peu mon objectif. Du coup, si on va continuer. Voilà là. Squalala, comme dirait un certain Link. Allez, ça c'est bon. On s'accroche. Voilà. Avec les plus on monte, plus la musique devient chouette. Hop. Donc là, on a réussi un niveau de difficulté supérieur. Donc c'était pas évident. Donc encore une fois, vous imaginez que si on est 4 et en plus avec les différentes variations de mode, ça peut être plutôt sympa. Donc il y a un mode où on peut servir uniquement d'un seul bras pour essayer de grimper. Il y a un mode où on ne doit pas garder la main sur une prise longtemps, sinon elle est détruite.
Et du coup, bah, faut avancer relativement rapidement. Et puis, bah, je sais pas, il y a un autre mode, donc on peut faire que à plusieurs. Bref, il y a quand même des petites variations dans les niveaux, il y a de quoi passer un bon moment. Et puis, bah, si vous êtes seul également, il y a le Daily Mountain. Où c'est donc une montagne qui est comme ça, pour tout le monde, chaque jour, qui est modifiée chaque jour, et sur laquelle il faut tenter de faire le meilleur score. Enfin, la montée la plus rapidement possible. Et par exemple, vous voyez que les premiers arrivent quand même à le faire une trentaine de secondes, et... ceux qui sont un peu moins bons, ça prend bien une ou deux minutes. Alors on va le tenter. Mais là, il y a des chances que ce soit plutôt deux minutes pour moi, malheureusement. On va tenter, hop, comme on peut. Aïe. Alors, il n'est pas facile ce niveau aujourd'hui. D'habitude, ce sont des montagnes de plutôt de niveau facile, de difficulté facile. On peut les refaire autant qu'on veut, hein, pour s'entraîner. Ouais, c'est quoi ça? Ok, donc là, j'essaie de voir un petit peu ce qu'on attendait de moi. C'est bon. Alors là, ça remue bien, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, le problème c'est que... ouf, c'est bon. Hop, c'est bon. 1 minute 13, c'est pas mal. Et du coup, où est-ce que je me place? Je me place 14e. Bon, bah ça va, c'est pas si mal. Mais voilà, vous voyez quand même qu'il y a des personnes qui arrivent à le faire en une trentaine de secondes cette escalade, donc ils doivent vraiment réussir à s'éjecter. Donc il y a de quoi quand même un peu avoir un peu de challenge dans les niveaux. Et du coup, bah, ce Frog Climber, c'est un jeu qui est très sympathique, assez amusant, mais évidemment il prend toute sa valeur si on a deux ou trois copains avec qui jouer, parce que c'est assez drôle de se battre un peu et de se grimper dessus, pour de s'accrocher les uns aux autres pour essayer de survivre. Et il doit vraiment y avoir une bonne partie de rigolade en perspective à plusieurs. Le jeu, il coûte 7€, il est compatible Windows. Et du coup, bah, je vous le conseille si vous avez envie de passer un bon moment avec des amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles découvertes de jeux indépendants.